Saillon qui ont attendu cette réouverture avec impatience, celle du club de voile de la base nautique de Reyningue dans le Haut-Rhin. Elle aurait dû reprendre du service dès le mois d'avril, mais ce n'est qu'aujourd'hui que les premiers cours ont pu être assurés. Géraldine Dreyer et Nicolas Meyer. Eh bien, bienvenue à tous pour cette grande reprise. On avait hâte de vous retrouver. Des retrouvailles à la base de voile qui commencent évidemment par des recommandations, avec les incontournables gestes barrières. Pas d'accès au hangar, une seule personne par bateau, des contraintes qui n'altèrent pas l'enthousiasme de Charles et Léon. Ça m'a manqué, j'ai dû attendre tout l'hiver et d'habitude je fais du ski et j'ai pas pu faire de ski, alors ça m'a un peu manqué. Moi je fais de l'équitation, je fais pas souvent de la voile et je sais plus trop bien en faire. Et donc je suis ici pour un peu mieux apprendre, voilà. La base nautique est restée fermée jusque début juin, alors il a fallu tout remettre en service en quelques jours à peine. Mais le matériel est prêt et avant de prendre le large, il reste à réviser son vocabulaire. Ça s'appelle comment, tu m'as dit ? Une écoute. D'accord. Et ça va servir à quoi ? Ça va servir à orienter la voile. Aucun doute, les moussaillons sont prêts et très vite sur l'eau, ils font la preuve de leurs compétences. Travail du positionnement de la voile par vent de travers. La météo est parfaite pour une reprise et côté vent, c'est du sur-mesure. Là, ils sont assez petits, donc ils doivent apprendre avec assez de vent. Enfin, là, c'est le vent parfait pour eux. Après, ouais, on pourra évoluer pour plus de vent. Tu vois là, t'as le vent qui arrive. À Reyningue, c'est ainsi toute la base qui reprend vie, non sans difficulté, car l'embauche de saisonniers a été retardée, les portes ouvertes annulées. Et avec le confinement, le club a perdu une grosse partie de son activité annuelle. On aurait dû accueillir toutes les scolaires de la région, hein, du primaire au lycée. Donc c'est vrai que voilà, 3 mois de perte sur ces groupes-là, c'est pas négligeable. Alors, au plan d'eau, on espère faire une belle saison estivale. Des stages de voile sont proposés dès 7 ans et tout l'été. La location de paddle et de canoë a redémarré. Et on passe à la culture.